Hey, 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 cucu, mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Voyage Surprise. Aujourd'hui, le temps est plutôt clément, pas d'orage à l'horizon pour l'instant. Donc, ça va être parfaitement le temps de faire un peu de pêche. Pour l'instant, la demoiselle, notre madame Jessie, est partie au pipi. Voilà, elle va aller prendre sa douche. Ah, mais il y a du jardinage à faire, ça c'est cool. Tu vas tout désherber. Oui, non, mais on s'en fiche. Et tout arrosé, ça c'est cool, ça faisait longtemps qu'il n'y avait rien à faire. Aujourd'hui, possibilité d'orage. Ah. Quand on dit possibilité, c'est que c'est sûr qu'on va se les bouffer. Donc voilà. Et dès qu'elle aura l'occasion, eh bien, elle retournera pêcher, puisque bah, il faut absolument avancer la pêche. Je vous rappelle qu'on doit toujours atteindre le niveau 10 de la pêche et on est à peine au niveau 7. Bon, eh ben, c'est tout, hein. C'est dommage parce qu'on est franchement pas loin d'avoir le niveau 8. En jardinage. Il y a tellement peu de choses à faire sur ces plantes. Voilà, hein? Ah, quel dommage! T'avais pas un truc, on peut rien planter en plus, tu vois. Elle a pas récolté un truc en pêchant, en fait, qu'on aurait pu planter, comme des fraises ou je sais pas, voyez, ça aurait pu arranger tout le monde, mais bon. Allez, bah, il va être l'heure de faire un peu de pêche. On en profite tant que le temps est bien. Allez ma belle, améliore-toi. Et voilà, on n'a pas trop, ça n'a pas duré trop longtemps. Re-orage, donc bah. Oh buddy, alors Greg Junior qui se sent pas bien, il s'ennuie le pauvre chou. Insulté, non quand même pas. Tu vas débattre de l'existence des vampires. Tu vas te plaindre de problèmes parce que t'es mal à l'aise. Alors tu vas respirer un bon coup, je pense, ça ira mieux après. Mais c'est pas la joie, hein. Vivement le printemps pour les deux parce que c'est un peu inquiétant, quoi. On est arrivé à un point où ils s'ennuient tellement que ils sont obligés de faire des bêtises et des grimaces parce que sinon, ça, voilà. En même temps, avec un temps pareil, on peut pas faire grand-chose, hein. Bon, tant pis, hein. Allez. J'espère que tu vas pas te prendre la foudre puisque t'as osé sortir les poubelles, mais bon. Mais vas-y, hein, tranquille, hein, coconne, aussi, hein. Oh, bah tiens, on a récupéré un truc, là. C'est quoi? Un plumbobus. Bon, bah écoute, voilà. Tu l'auras gardé pour toi. Pendant que Greg Junior, eh bien, s'essaye à la peinture. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu pourrais nous refabriquer un truc? Un pot de fleurs, tiens, vas-y, fais-nous un pot de fleurs. Ah, t'aurais voulu améliorer ça? Bah, tu peux pas, en fait. Ah, si, améliorer. Ah, bah, nettoyage automatique, tiens, tu nous le feras après. Si on peut améliorer la douche, ça devrait être canon, quoi. Mais, qu'est-ce que... Ah, nous encore un jet rare. Ah, bah, dis donc, merci l'orage, il nous ramène plein de trucs. Bon, après, ça nous fait des grosses traces dégueu, hein. Pour l'instant, il nous a rien cramé. Alors, il nous a rien cassé, il nous ramène juste des petits cristaux bien rares, mais bon. C'est chiant parce qu'on s'ennuie vite, quoi, à l'intérieur de ces quatre murs, hein, donc bon. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ouais, maintenant, c'est Greg Junior d'aller aux toilettes. Est-ce qu'il va réussir sans se prendre la foudre? Ah. Bon, il a eu peur quand même, hein. Mais là, le petit pipi pouvait pas attendre, et puis tu reviendras vite ici. Ah bah on a encore un truc là! Un Kritaku! D'accord. Bon écoutez, c'est original. Super! 22h, l'orage est enfin terminé! Youhou! Quelle chance nous avons eue de temps gâché! Voilà, merci Solani! Du coup, une petite pêche nocturne, hein? Attendez! Moi, toutes les occasions sont bonnes. S'il fait pas de l'orage, elle est encore en bon état, elle est pas fatiguée. Voilà, de la pêche, quoi. On va en profiter. Bon, on avance un petit peu. On est à 36%. Voilà, on essaye de faire ce qu'on peut. À la fois, la bichette, elle est pas en l'aise, hein, donc elle va aller au lit après. Donc, elle monte un petit peu, j'ai envie de dire. 38. Tu peux me faire jusqu'à 40? Tu serais adorable. Ah, une boîte. Un morceau d'argile encore. Youpi! Allez, ouais, 40%. C'est cool.
Puis bon, il est un peu 3 heures du matin. Même 41, elle est brave, 42. Ça y est, maintenant, elle a la confiance, hein, elle continue, là, elle n'en peut plus. Ah non, c'est bon. Là, elle a froid. De toute façon, je vais la laisser aller se coucher. Oh bon, bah 45%, c'est cool. Allez, ouais, va te coucher, c'est bon, c'est bon. Merci, Jessie. Bon, bah c'est pas tout, mais... Retour à la pêche. Bon, la Jessinette. Pendant que lui, qu'est-ce qu'il a? Bah, lui, il fait son petit sport. Il court pour se vider l'esprit. Par contre, divertissement, c'est pas top, hein. Ce que je vais te faire, c'est que tu vas aller... Tiens, tu vas nettoyer ça. Et tu te baladeras dans l'eau après. Pour débarrasser de toute façon tout ça. Comme d'habitude, les mêmes trucs qui traînent au même endroit, en fait, les déchets. Et puis après, tu te baladeras dans l'océan. Tu iras nager, mon petit. Ah ah, prendre ou relâcher. Jessie a attrapé ce poisson requin léopard. C'est une espèce menacée. Eh bien, nous en... le po... libérer le poison. Bravo les Sims. Allez, on va libérer le poison, mais voilà, c'est pas du tout. Donc 92 Sims quand même. Toi, mais il a encore mis le mot sort. Il est bête. Mets-le dans l'inventaire. D'accord, ok. Tu veux le modeler, s'il te plaît, alors? Ah, t'arrives pas, hein? Oh bah c'est difficile hein, quand même. Tu vas venir. Ta mère, elle est là, les dauphins sont là. Tu vas venir ici. Ah, tu peux pas. C'est trop loin d'où t'es. Eh ben écoute, t'as va nager quand même. Hein. Ah. Mais t'es pas bien, t'es chiant. Qu'est-ce qu'il y a? Couvert de substances visqueuses, nage près des déchets. Bon, bah, tu vas venir là. Tu vas aller te rescaper sur cette île. Une île où tu aurais pu très bien aussi finir, mais non, le sort en a décidé autrement. Est-ce que tu peux nager ici? Ouais, allez, viens nager jusque-là sur la bouée. Sur la bouée-bouée. Vas-y, Greg. Vas-y, Greg. Vas-y. Voilà. Très bien. Tu vas faire de la plongée en apnée ici. Voilà, un petit peu. T'es pas très en forme, j'espère que ça fera pas. Ça ira quand même. Oh, qu'est-ce que c'est que ces fringues? Oula. Ah oh, bah écoute, je sais pas moi. Tu veux pas nager, tu veux pas ci, tu veux pas ça. Eh ben rentre à la maison alors, écoute. Tu vas venir ici, puis voilà. Oh, regarde Jessie. Qui est là? C'est Morgade. Comment ça? Mais sérieusement, bien sûr que tu le connais. On les a tous rencontrés déjà. Non mais... Ah ben, bah, ça m'en a sucré de... Allez, arrête de pêcher. Tu vas lui dire bonjour. Voilà, hein, je sais pas. Ouais, mort de rire, c'est tellement drôle. Discuter des techniques d'entraînement, raconter une histoire drôle, raconter une histoire incroyable, proposer un plan fou. Se vanter d'être bricoleuse et puis maintenant tu peux repêcher avec un appât. Tiens, une grenouille-feuille pour changer. Et on n'est toujours pas au niveau 8, hein, mais on a avancé un petit peu, on est à 66%. En fait, le plus drôle, c'est que quand je la surveille pas, elle pêche beaucoup plus longtemps qu'à l'accoutumée. Donc je vais plus la surveiller, moi je vais la laisser pêcher tranquille. Hein. Eh, je vais m'occuper de son petit-fils. Son petit-fils, son petit garçon, qui a bien grandi, décidément. Qu'est-ce que c'est lui? Un pollueur. Ah bah dis donc, alors. Allez, mon petit, va te doucher dans la cascade. Au moins là, t'es sûr d'être propre comme un sous-neuf après. Voilà. Aquaya. Une anguille électrique! Ah ouais, quand même! Ah, elle n'a plus d'appât, donc elle peut plus. Bon, bah, et puis elle est redevenue toute précieuse. Tu vas respirer un bon coup. Une anguille électrique. Oh, 21 kilos. Excellente rareté, rare. Ouh! Attends, on va la mettre au frigal. Je dis pas qu'on va faire quoi que ce soit avec, mais bon, pour l'instant, on la conserve hein, quand même. Et puis, tu peux pêcher avec un appât. Allez, le fugu, tiens. Comme ça, on verra ce qu'on attrape avec ça. Mais ça va aller, Jessie, ça va aller. Tu vas aller mieux. On va monter en compétence pêche. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Pour la journée, pour les objets achetés du jour, j'ai utilisé une petite voilà, étagère que Jessie nous a construite. J'ai ajouté de la lumière dans la salle d'eau, comme vous pouvez le constater. J'ai peint l'intérieur du séjour en bleu vert pour que ce soit un peu plus gai. Et j'ai acheté une petite fenêtre pour la chambre du petit, du très grand Greg Junior. Voilà pour les achats du jour. Et la maison, bon bah d'extérieur, elle a toujours pas trop trop bougé.
Après, je pourrais recolorer, mais je sais pas, je me dis que c'est bizarre. Finalement, à l'intérieur, si je viens aussi, ça donne du peps. Voilà. Ça va mieux là, mon Greg? Junior! Ça s'amuse sur la cascade, hein? Voilà, il fait des bêtises dans l'eau. C'est mieux quand même, hein. Bah, il faut le divertir, donc bon, il n'y a pas grand-chose sur l'île. On peut pas trop faire de... Hein? Et puis, on en profite qu'il fasse beau pour que... Eh bien, qu'il s'amuse aussi de son côté, hein? Dehors, en tout cas. Oui! Youpi! Je suis d'accord, Jessie. Ça commence à être compliqué pour toi. Allez, au moins le niveau 8 et je te laisse tranquille après. Pour la pêche, c'est tellement compliqué à faire monter la pêche avec elle. Oh là là. Puis, vous voyez, hein, c'est un peu en dents de scie. Et lui, il revient. Bah, tu peux pas revenir encore plus lentement au terrain, toi? T'as un problème à tes pieds ou comment ça se passe? Oui, t'es chelou un petit peu. Bon, lui, il est pas très très bien non plus. Ah oui, non, mais c'est la course en ayant envie de faire pipi. Excusez-moi. Bon, ça va aller mieux, vous allez manger tout ça, ça va aller, ça va aller. Bon, elle n'arrive plus à rien. Tu vas rentrer. Le repas est prêt, tu vas le prendre. Et puis, vous allez manger. Bah, Grégoune, viens ici. Allez, viens là, viens là, viens là. Il va être l'heure de manger, mon petit. Oh là là, mais vous êtes précieux en ce moment, vous, hein? Allez, Jessie, viens. Viens ramener le manger. Oui. Mais tu l'as mis où? Il est là. Mais non, mais arrête! Il va aller se coucher. Viens appeler à table, alors, dans ce cas-là, il va se lever parce que là, il me casse les pieds un petit peu. Voilà. Greg! Réveille-toi! Viens manger! Voilà, ça c'est bien. C'est toujours aussi dégueulasse, hein, vos plats? Ouais, c'est toujours aussi dégueulasse. Magnifique. Bon. Oh là là, puis elle est dans un état. Tu vas pouvoir décrire une nouvelle idée. Tu vois, tu vas parler du temps nuageux, que c'est quand même plus agréable. Tu vas lui faire... tu peux pas. Raconter une blague sur les ingénieurs. Bah oui, pourquoi pas? Mais dans un état, la pauvre. Pas trop, parce qu'après, elle ira se doucher et se coucher, parce que là, ça ne va plus. Oui, je sais, je sais, je sais. Allez, va. Va te coucher. Bon, bah, et tu t'oublieras pas de manger avant d'aller te coucher, quand même. Il faut que tu sois en forme. Ah, bah ça va, elle a quand même bien à manger. Lui, ça va. Il n'y a que le divertissement qui est pas top. Comment ça? Mais on a envie de s'amuser dans 4 heures. Mais j'espère que tu vas t'amuser avant. Moi, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire, mec? Tu veux pas nager? Tu veux pas faire ci, ça, là, li, là, l'eau? Tiens, tu peux souffler dans la conque. Peut-être que ça t'amuse, je sais pas. Non, ça fait rien. Ah, quel dommage. Et ça, tu peux pas souffler dedans? Non. Tu peux pas faire... non. Tiens, tu peux jeter... les poubelles, hein? Attends, hop là, oula, je suis cool. Eh, oh, là, 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 mettre dans l'inventaire. Mais ah, mais non, il faut les jeter. Je crois qu'elle va tomber dans les pommes. Tu vas les jeter. Bon, je vais devoir le faire moi-même. Jessie! Jessie, mais t'as pas été te laver? Bon, écoute, va dormir. Va te reposer. Oui, ce sera pour plus tard, c'est pas grave. Oh là 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 là. Mon petit, mais je sais pas, moi, tu veux faire quoi pour... vas-y, peins un petit peu. Mais si tu joues avec ce feu-là, je suis sûre que tu vas te brûler. Ah, bon, de toute façon, je vais sûrement le faire parce que sinon, le pauvre, il va jamais réussir à faire quelque chose de sa vie. Mais voilà, non mais, si tu commences à faire l'idiot aussi, tu vas te cramer, hein? Tu sais que le feu, c'est dangereux, mon petit Greg. Tu n'es pas assez mature pour jouer avec ça. Bon, allez, il est tard, là. Il est 6 h du matin. Tu vas aller dormir parce que, bon... Vas-y. En tout cas, celui-là a bien remonté le divertissement. Donc, à refaire, à l'occasion, quand il sera... Quand il s'ennuiera, on va dire. Oh là là, aujourd'hui sera une bonne journée puisque ce sera ensoleillé, chaud et nuageux. Donc, pas d'orage à l'horizon. Quel bonheur! On est content. Tiens, tu vas pouvoir manger, toi, te lever et manger du porc Kalua, parce que je sais que t'aimes ça. T'iras ensuite jeter tout ça et t'iras aux toilettes.
Voilà, mon petit Greg. Tu as un programme déjà bien complet au moment où tu te lèveras. Youpi, il y a du jardinage à faire. Ta 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 ta. Engage un... Tu vas parler à une plante et puis tu vas faire des recherches, comme d'hab, quoi. Greffer. Non, je pense qu'on avait déjà greffé des trucs. Quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Greffer. Non. Mais j'avais greffé une plante l'autre fois, je sais même plus laquelle est greffée. Oh, une petite sirène qui passe. Oui, c'est un niveau 8 que nous avons déclenché en jardinage. C'est une très très bonne nouvelle. C'est une très 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 bonne nouvelle. Eh bien, on va essayer de faire la même pour la pêche. On n'en est pas loin, regardez. On n'en est pas loin. Il faut y arriver, il faut y arriver. Oup. Venez ici, les petits enfants. Les dauphins sont là. Arrivez-vous. Quoi? Mais arrête de me harceler, toi. Appelle un dauphin. Voilà, parler à dauphin, caresser dauphin, petit poisson. Allez, Jessie, toi aussi. Tu vas appeler. Ah bah tu peux pas appeler dauphin parce qu'il y a déjà un dauphin de là. Observez le dauphin. Ouais, tu vas observer le dauphin, c'est peut-être pas le même. Parce que toi, tu peux pas. On peut pas appeler deux dauphins en même temps, mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Bon bah toi tu vas nager dans l'océan alors mon petit, hein, ça t'occupera. En plus ouais le divertissement est au max. Oh oula, non. Mais bah non, tu vas sortir de l'eau. Ah là là, l'eau est trop froide pour lui. Toi tu vas pouvoir observer, mais tu l'as déjà observé, mince. Appelle un dauphin du coup. Vite avant que tu te deviennes bleu. Jessie! Ouais, oui, mais non, bah, c'était l'occasion ratée! J'en ai marre! Tiens, tu vas pêcher à la place. Tant qu'à faire. Et toi, mon petit? Ah, non, t'as pas de téléphone, ça n'existe pas. Tu vas courir pour te vider l'esprit. Et aller courir, comme ça, au moins, ce sera fait. Oups! Sirène en vue! Sirène en vue! Viens! Il faut assurer ton avenir, mon petit! Mon petit! Il est parti. Bon bah tant pis. Ah, quoique. Faire connaissance. Parler de la température chaude. Se renseigner comment faire crac-crac. Tu es où? Mais qu'est-ce que tu fous dans l'eau? Va voir la sirène. Vite. Elle est là! Mais tu... C'est pas possible. C'est complètement foiré. Vous êtes bêtes! Voilà! Ça, enfin quand même. Parce que bon, je suis pas encore décidée sur laquelle je vais en faire sa femme. Ça peut être elle ou ça peut être l'autre qui a les yeux violets. Pourquoi pas? Je ne suis pas encore décidée. Oui, nous avons le niveau 8 en pêche. Ta-da-da-da. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as? Aucun marsouin, pas de dauphin. Mais non, Bichette. Bon, je retourne avec son fils parce que pendant que je la surveille pas, au moins elle avance au niveau de la pêche. Et c'est moins relou. Parle-lui! Mais non, elle est partie! Mais pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Passez du temps ensemble, vas-y, vas-y, viens, fais l'avenir à la maison. Voilà. Tu vois, être reconnaissant, tout ça, donner des astuces de réparation. Tu vas demander comment s'est passée la journée, partager tes idées, complimenter la tenue, parce que ces petites écailles lui vont tellement bien au teint, mon petit. Si tu le savais. Discuter des centres d'intérêt. Il faut que tu fasses connaissance, hein, pour que dès que tu sois jeune adulte, pif paf pouf, tu lui montes dessus et tu lui fais un marmot. Hé! Hey! Mais elle est sauvage, celle-ci! Oh! Reviens! Alors! Quand même! Non, c'est pas du stalk! Franchement, regardez, elle vient chez nous en plus. Tu vas chanter la chanson, tu vas illuminer sa journée. Il faut faire connaissance. Voilà, que tu sois un très bons amis. Une histoire délicieuse. Voilà, regarde ça. Voilà, en plus, tu fais bien entendre ta jolie voix, bien profonde et tout. Oh, ma belle, tu vas la voir si je te la mets aussi profonde, la mienne. Oh désolée. Voilà, on crée des liens comme ça. C'est comme ça que ça se passe, mon gré. Ah, une bonne amie! Yes! Si c'est une bonne amie. Pourquoi elle chante? C'est parce que c'est une sirène qu'elle chante? C'est trop bizarre, j'avais jamais fait attention à ce genre de truc. C'est rigolo. Si seulement tu pouvais lui rouler une pelle,
Mais bon. Tu vois, bah, je sais pas quoi, où elle aurait un travail. Ça pourrait être rigolo. Bon, bah, en tout cas, c'est bien. On a bien monté. On la connaît quand même pas mal. Il y a moyen que. Si c'est elle, la femme de sa vie, pourquoi pas? Calypso. Coupable de crime aggravé à cet endroit, femme de malfrat. Ah, bah, super. Quelle belle fréquentation. On va la laisser peut-être partir, cette pauvre fille. Toi, tu vas être lavée parce que tu pues. Ah, mais non, elle vient. Ah, mais non, mais je pense que ça y est, hein. Notre future femme. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, c'est pas vrai. Mais tu me casses les pieds. Hop, allez. Il n'y a plus de poissons. Tout va bien. Voilà. Il n'y a plus personne qui pleure après les poissons. T'es contente? Voilà. Tout va bien. Voilà, ma petite. Ma petite Jessie. Comment ça se passe, la pêche? Ouh, c'est pas très fameux. Pourquoi? 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 Pourquoi ça fait des étoiles? Oh, c'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est quoi? Pourquoi il y a des étoiles? J'ai pas compris là. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a ça? Pourquoi c'est. Oh, c'est super beau, hein? Mais moi, je comprends pas pourquoi. Oh mon Dieu. Encore un orage. Ah ouais, il est quasiment 2 h du matin. Mais pourquoi ça fait des étoiles? Examine. Viens examiner l'eau! Ouais, non, mais c'est trop tard. Non, mais ouais, t'as raison, c'est trop tard. Rentre à la maison, tu dois pas aller aux toilettes vu que t'es à côté. Allez, un petit pipi. Vite. Ouais, les jours passent très 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 vite dans cette partie. Et puis je vois pas la différence entre le jour et la nuit presque. Enfin, vous allez me dire si quand même, faut pas déconner. Mais en fait, le jour à 17 h, il est déjà en train de se terminer. Donc forcément, on a envie de continuer. Et du coup, ben, entre le soir et la nuit, on voit plus la différence. Alors, mon petit Greg, comment ça va? Moi, ouais, t'es pas rassuré, hein, tout ça, bah oui. T'as encore le divertissement? Ah, il m'épuise, ce petit. Tiens, fais des grimaces avec ta maman. Ouais. Et puis toi, tu en feras aussi à ton fils. Comme ça remontera le moral de tout le monde. Ouf, parce que, bon, on a au moins été un petit peu dehors, hein. On a eu un peu la paix pendant un moment. Bon, bah, ça va être une journée de merde la journée prochaine, puisqu'on aura de l'orage tout le temps. Youhou! Ah, bah voilà! Quand tu t'entraînes à chanter, ça te remonte le moral. Oh, c'est bien! Tiens, tu vas pouvoir le regarder, mais je suis pas sûre que tu apprécies son chant qui n'a rien à voir avec la sirène, hein. Non, elle a vu la tête qu'elle fait, regardez-moi ça! Oh non, mais le jeu, il veut plus que je bouge. Regardez cette tête. Oui, mon fils. Ouais, je te respecte parce que t'es mon fils, mais sinon, je t'aurais déjà acheté des ananas pourris, hein. Ah non, là, vraiment, c'est pas bon. Non, c'est pas beau. Bon, allez, sur ce, vous allez vous coucher, mes petits. Enfin, mes petits. Vous êtes plus si petits, hein. Au lit, tout le monde! Et moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. On avance petit à petit dans les compétences de notre petite Jessie. Ça pourrait être beaucoup mieux, hein, mais voilà. Et puis peut-être a-t-on trouvé la future femme de Greg. Je ne sais pas encore. À vous de me dire si elle vous plaît ou si on en attend une autre. Allez, sur ce, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la suite de Voyage Surprise ou d'autres choses sur ma chaîne. Salut!